Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi intitulé « La réponse à Allah et à son messager ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous et vous ne pourrez point nier vos péchés. » Elle dit également « Ceux qui ont répondu à leur Seigneur auront la fin heureuse, c'est-à-dire le paradis. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, Seigneur, sans aucun associé. Il n'y a point de divinité en dehors de lui, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et ta bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Examinant le noble Coran, on y trouve un appel explicite à la vie bonne et heureuse, et au salut, aussi bien dans le ciel-bas que dans l'au-delà. Allah, gloire à lui, dit, « Et vous qui ont cru, répondez à Allah et aux messagers. » Elle dit également, « Est-ce que celui qui était mort que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ?» Il dit également, « Et quiconque mâle et femelle fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Certes, répondre à Allah et son messager, salut et bénédiction sur lui, et la voix des vrais croyants bien guidés à remercier les bienfaits d'Allah, gloire à lui, sauf par se servir des capacités qu'Allah leur accorde pour entendre le vrai et y répondre. Allah, gloire à lui, dit, seuls ceux qui entendent répondent à l'appel, c'est-à-dire appel de la foi. En outre, la réponse et l'attitude de prophètes élus et des anges rapprochés. Lorsqu'Allah, gloire à lui, ordonna à Noé, salut sur lui, de bâtir l'arche au désert où il n'y avait pas ni fleuve ni mer, Noé répondit à l'ordre de son Seigneur. Allah, gloire à lui, dit à ce propos, et construit l'arche sous nos yeux, c'est-à-dire sous notre protection, et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il construit l'arche, et chaque fois que de notables de son peuple passaient près de lui, il s'est moqué de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquerez de nous. Lorsque Allah, gloire à lui, ordonna à son prophète Ibrahim d'annoncer le pèlerinage aux gens en disant gloire à lui et fait aux gens une annonce pour le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage, ils viendront à vous à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Ibrahim, salut et bénédiction sur lui, répondit à cet ordre en disant, mon Seigneur, où pourrait atteindre ma voix? Allah lui répondit, c'est à toi d'annoncer et c'est à moi de le faire arriver. C'était également sa réaction lorsque Allah, gloire à lui, lui ordonna d'égorger son fils au Ibrahim, salut, sur lui répondit et s'est soumis à l'ordre d'Allah, gloire à lui. Allah, gloire à lui, dit à ce propos, nous lui fîmes donc une bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, longanime. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagnant, Ibrahim dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaïl dit, « Oh mon cher père, fais ce qui tu es commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Puis, quand tes doux se furent soumis à l'ordre d'Allah, et qu'il leur jetait sur le front, c'est-à-dire Ibrahim a jeté Ismaïl sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham qui a confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, la preuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Les compagnons, qu'Allah les agrée, tous donnèrent le meilleur exemple en matière de répondre à Allah, gloire à lui et à son messager. Le jour de Hamra el-Assad, les compagnons répondirent à l'ordre d'Allah, gloire à lui,
et celui de son messager, celui de son sur lui, malgré les douleurs et vulnérabilités le jour de Ahad. C'est pourquoi elle était louée par Allah dans le noble Coran en disant, c'est qui, quoique atteint de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Donc, au sujet du changement de la direction de Qibla, la direction de la prière de la mosquée Aqsa à la mosquée sacrée de la Mecque, ils ne tardèrent pas à obéir ou ils se tournèrent en prière lorsque le prophète leur informa qu'ils venaient de recevoir l'ordre de s'orienter vers la Kaaba. De la même façon était leur réponse lorsque le visage du prophète se ternit à la vue d'un groupe de pauvres chétifs pieds nus. Là, il appela ses compagnons en disant « Que l'on donne charité d'un dinar, d'un dirham, d'un habit, d'un sa de blé, ou bien d'un sa de date, même d'une moitié de date. » Un homme des Ansar apporta une balle dans la main, était incapable de porter. Les gens se succédèrent à apporter leur charité à tel point que le visage du messager d'Allah, salut bénédiction sur lui, se rayonna de joie. Les compagnons du prophète, salut bénédiction sur lui, se précipitèrent à s'abstenir de ce que Allah interdit autant qu'ils s'exécutaient aux ordres. Lors de la révélation des versets interdisant définitivement de boire du vin, disant, ô le croyant, les vins, le jus de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre de diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Les compagnons, qu'Allah les agrée, dirent tous, nous sommes abstenus au notre Seigneur. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées au dernier de prophètes et messagers, notre maître Mohammed. Salut, bénédiction sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. Allah, gloire à lui, honora les gens de la réponse, à Allah et à son messager. Salut, bénédiction sur lui, de l'ample pardon, du salut et du paradis le dernier jour. Allah, gloire à lui, dit, ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il, c'est-à-dire Allah, vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Comme la rétribution est du même genre de l'œuvre, Allah, gloire à lui, exauce les invocations de ceux qui répondent à ses ordres. Allah, gloire à lui, dit, « Et quand mes serviteurs tentent rouge sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. » Il dit également, leur Seigneur les a alors exaucés, disant, en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme. Allah dit, gloire à lui, encore une fois, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, c'est-à-dire à m'invoquer, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Nous avons donc été besoin de répondre aux ordres d'Allah, gloire à lui, et de son messager, salut, bénédiction sur lui. C'est bien la voix des croyants véridiques. Allah, gloire à lui, dit, la seule parole de croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu, nous avons ébloui, et voilà ce qui réussissent. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.